Veillée artistique en hommage à Roger Adom, ex-membre du groupe Zouglou Macaire. Les artistes de Côte d'Ivoire se sont mobilisés ce vendredi 29 avril 2022 pour rendre hommage à l'un des leurs, Jean-Roger Adom, membre des Zouglou Markers qui s'est éteint le 22 mars dernier. At le stade de l'université dans l'Émoi, c'est le stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui a servi de cadre pour cette veillée artistique. Plusieurs artistes dont Magic System, Espoir 2000, Les Patrons, Les Garagistes, Fitini, Yabon Olova, La Crème du Zouglou et certains autres comme Karina Steele du Coupé Décalé et Ismaël Isaac du Reggae se sont succédés sur scène pour rendre hommage aux disparus et témoigner par moments des petites anecdotes sur celui que la quasi-totalité des artistes Zouglou a côtoyé. Roger Adom était l'un des piliers du Zouglou. Il a apporté sa touche à la réussite de plusieurs artistes Zouglou. Un moment de vives émotions cette nuit avec des larmes et tristesse par moments au sein du public, des membres de sa famille. Mais les organisateurs ont tenu à ce que cette soirée s'achevait sur des notes plus jovioles, il était un homme de joie et plein de vie, ne pleurons pas, rappelait l'animateur. Ses ouvres Roger Adom était l'un des piliers du Zouglou. Il a apporté sa touche à la réussite de plusieurs artistes Zouglou. Celui qui a fait l'écheur sur les albums de tous les artistes Zouglou de la génération intermédiaire, Soumbil, Yodé et Siro, Espoir 2000 etc., et de la deuxième génération, Les Patrons, Les Mercenaires etc., celui qui a été la seconde voix sur scène de tous les grands Zouglou qui sont apparus de 1990 à 2010, chef d'orchestre du King Solo de Gadji Kelili Rossi, deuxième One Woman Show, comme Les Vendeurs Ambulants, Younis Zunon commercialise elle-même ses tickets dans les marchés chefs. D'orchestre des patrons, chef d'orchestre Soumbil, choriste attitré de David Teyoro, sur scène comme au studio, choriste et directeur artistique de la Dream Team, initiateur du mouvement d'interprétation Zouglou en orchestre live avec son groupe Zouglou Macaire. Il y a même un festival Zouglou FIZ où 20 artistes se sont succédés avec leur orchestre, mais lui seul faisait partie de tous les orchestres.